Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment content euh, d'être là ce soir à nouveau avec vous pour notre dixième épisode de la deuxième saison. Pour ceux qui en sont à leur première soirée avec nous, eh bien, je me présente Vincent Delille. Vous le voyez dans le bas de l'écran, cofondateur de l'école co de, de pêche à la mouche Spirit et euh, instructeur, bien sûr, de pêche à la mouche. Je vais essayer de ne pas trop mettre euh, de pression ce soir, mais si j'ai bien remarqué, l'événement de ce soir, c'est celui-là qui, jusqu'à maintenant, a rejoint le plus de monde. Jusqu'à maintenant, vous étiez presque 150, c'est pas un peu plus à avoir démontré de l'intérêt, à avoir, euh, justement, là euh, dit que vous seriez là aussi ce soir. Donc, euh, j'espère que vous allez apprécier. Euh, la rencontre. Je devais avoir deux invités. Euh, il y en a un qui ne pourra pas être là. Euh, problème de santé, malheureusement. Le second, euh, quand tout part en vrille, euh, le second, bien. Euh, aussi, là, il est arrivé quelque chose. Je ne vais pas demander. Je pouvais vous, <laughs> vous informer de, de qu'est-ce qu'il était. Peut-être qu'il va venir nous rejoindre. Peut-être malheureusement pas. Je ne le sais pas. Donc, ce sera une surprise. Donc j'ai quand même pas mal de stocks qui vous est préparé justement vous ne vous gênez pas pour poser des questions pour m'interrompre en cours de route. Aujourd'hui on regarde les astuces, tout simplement les trucs et astuces pour faciliter votre vie à la pêche puis probablement optimiser aussi justement votre capture de poissons. Mais euh, avant que j'aille plus loin j'aimerais aussi faire de super gros remerciements à tous nos abonnés, à... Euh, tous ceux qui se sont inscrits jusqu'à maintenant à nos cours, on avait euh, prévu pour le moment sept journées d'initiation à la pêche à la mouche. Les sept sont comblés. Inquiétez-vous pas si parmi vous il y en a qui est intéressé à vous inscrire, il va y en avoir d'autres. Laissez-moi juste le temps de coordonner finalement mon agenda avec ma femme, parce que euh, Amélie, elle, de son côté est en retour aux études, pour ceux qui ne le savaient pas. Euh, elle, 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 elle fait sa maîtrise présentement, puis elle va avoir un cours d'été. Donc, euh, euh, on, je prévois facilement proposer encore un autre 5 à 6 jours d'initiation. Puis la journée où ce que le couvre-feu sera levé, il y, en aura même, il y aura même la possibilité de proposer aussi quelque chose de soir sur semaine sur un trois semaines. Ah, donc, laissez-moi jusqu'à vendredi, peut-être au maximum lundi prochain, mais je vais tout faire pour que ce soit d'ici vendredi. Et il y aura deux nouvelles dates de disponibles, mais sérieux, merci pour votre engouement. Effectivement, ça va nous faire du bien, ça va vous faire du bien d'aller jouer sur le bord de l'eau cet été, puis euh, justement de vous faire du fun avec la pêche à la mouche. Avant que je me lance un peu plus loin, ben, les habitués vous le savez, mais j'aime bien aussi rendre hommage et surtout remercier nos partenaires. Donc, les lives qui vous sont présentés euh, chaque ou euh, presque chaque semaine, ben le sont. Grâce à trois partenaires pour le moment. Notre premier et non le moindre, simplement plein air, une mission radio que je vous invite à découvrir si vous en avez jamais entendu parler. C'est une émission pour les passionnés de toutes les activités de plein air qui peuvent exister. Oui, bien sûr, on parle de plein air, on parle de chasse, de pêche. Je suis effectivement le chroniqueur pêche à la mouche. Il y a un, euh, On a un guide aussi, Félix, euh, Et j'ai un blanc de mémoire pour le nom de, le nom de famille. Euh, Félix, qui s'occupe, lui, euh, de la pêche traditionnelle. Guy Martin, euh, l'animateur principal. Imaginez un sujet de plein air, on en traite. Que ce soit le camping, que ce soit le quad, que ce soit la motoneige en hiver, là on va la laisser en arrière, on va se laisser un, un six mois pour oublier la neige. Euh, que ce soit euh, la cueillette en nature, sérieux. Merci, Francis Valiquette. Félix Goulet. Donc, euh, euh, ce vraiment pas les sujets qui manquent. Je vous invite à y jeter un coup d'œil et à tous les vendredis, Guy aussi organise un live sur lui de son côté YouTube. Et cette semaine, il va parler chasse à l'ours avec Marc Prince, l'un aussi de nos euh, chroniqueurs, qui lui est spécialisé dans le bushcraft, donc euh, la survie et euh, vraiment le minimaliste en forêt. Donc, euh, euh, hey, nous sommes déjà plus de 40 sur le live présentement. Sérieux, merci d'être au rendez-vous. Je vous salue toute la gang. Vous êtes plusieurs déjà à, à nous avoir envoyé des commentaires. Danny, Yves, Michel Bourque, Nicolas Taché, Nicolas Bois-Rousseau, Sylvain Paradis, Benoît Vizina, ouais, Benoît qui avait vraiment hâte que le live commence. Euh, William Lacroix, Robert Laberge, Gino Daou, euh, Simon Couture. Daniel Dewain, François Martel, Francis Valiquette, merci de m'avoir dépanné pour, euh, pour le, le nom de famille de Félix. Diane Noël, donc euh, j'aimerais ça tout vous nommer, là, mais à un moment donné, je vais peut-être manquer de temps, puis ben, il faudrait aussi commencer euh, les sujets, puis que je finisse la présentation de mes partenaires. Bonsoir Dan George, donc partenaire principal à ne pas manquer à toutes les semaines, je produis une chronique à la radio, souvent que je complète justement avec les lives. Ensuite, bien sûr, et non les moindres, le groupe Les Accompagnateurs de pêche au saumon. Peut-être êtes-vous êtes de ceux qui sont en train de nous écouter justement en live par ce groupe. Les Accompagnateurs de pêche au saumon nous ont donné de super, de bons coups de main dans les dernières années dans le développement de l'école et on leur rend aussi, c'est un plaisir de collaborer avec eux dans leurs différentes activités. C'est un groupe Facebook où vous allez pouvoir découvrir et rencontrer à la fois justement des fous du montage de mouches, donc pour les montages de saumon, des fous de la pêche au saumon, puis bien sûr, plein de débutants qui souhaitent tout simplement ben, en apprendre davantage des accompagnateurs de pêche au saumon, finalement. C'est un regroupement de bénévoles qui se propose de vous accompagner lors de votre première sortie de pêche au saumon. Et finalement, et non le moindre, le groupe Soignez nos braves par la mouche, bien sûr. Euh, pour ceux qui, nous, qui apprennent à nous connaître là, depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs années, euh, la pêche à la mouche pour nous, Spirit, euh, pour l'école, c'est pas juste la quête incessante d'un poisson, c'est une activité salvatrice pour l'esprit, pour le corps. Euh, en fait, euh, en plus d'être instructeur de pêche à la mouche, je suis instructeur de yoga. Et en fait, une façon que j'ai de, dé de décrire la pêche à la mouche, c'est de dire c'est du yoga de rivière. Et il y a de plus en plus de recherches qui démontrent. Parmi l'ensemble des activités de plein air, eh bien, la pêche à la mouche est l'une des meilleures justement pour traiter euh, différents problèmes au niveau de la santé mentale. Un des programmes qui est les plus étudiés, finalement, dans ce sens-là, eh bien, ce sont justement les programmes de pêche à la mouche pour nos militaires, donc Healing Waters pour les programmes euh, anglophones, euh, surtout américains et un peu à l'extérieur aussi là, sur d'autres continents. Et maintenant au Canada, soyons nos braves par la mouche pour le côté francophone. Et juste pour ne pas faire de niaiserie dans la traduction, je ne vous donnerai pas la traduction en anglais. Mais ce soir, vous êtes avec nous justement pour parler de tous les petits détails qui peuvent venir finalement vous donner un coup de main pour vous donner plus de chance dans vos captures, quelle que soit l'espèce. Je tiens à le dire, l'école de pêche à la mousse, Spirit. Oui, on encourage et on parle beaucoup effectivement de la pêche aux différents salmonidés parce que hein, euh, c'est la première pêche que l'on associe justement à la pêche à la mouche. Mais toutes, je vous dis bien, toutes les espèces se pêchent à la mouche. Euh, juste pour vous donner une petite idée de la liste de ce que nous, nous avons eu la chance de pêcher jusqu'à maintenant. Euh, carpe, achigan petite bouche, achigan grande bouche, bien sûr, truite mouchetée, truite arc-en-ciel, truite brune, j'ai bien hâte de rejeter de la truite grise et euh, la wanané chalalice, mais ils n'en font pas encore partie, malheureusement, pour le moment. Euh, Meunier, euh, doré, brochet, masquinongé. Bien sûr, j'ai eu la chance de euh, guerroyer avec deux saumons dans ma vie jusqu'à maintenant. Euh, et est-ce que. Ben oui, bien sûr, le bar rayé, mais. Euh, et, deux poissons, et deux poissons dinosaures qui sont. Euh, deux poissons de quest que je dis là? Non, mon fils serait fier de moi là. Deux poissons préhistoriques qui sont euh, le lépizosté osseux et le poisson castor, qui sont deux espèces vraiment euh, présentes plus dans le sud du Québec, mais qui sont plaisantes à pêcher. Vous n'avez même pas idée, surtout quand il fait très chaud. Euh, le poisson castor est un peu plus difficile quand il fait très chaud, mais c'est un poisson qui va très bien euh, supporter les chaleurs. Mais le lépizosté osseux, euh, si vous avez la dure, vous êtes capable de supporter et de pêcher pendant une canicule, ben, ce poisson-là, là, vous allez le remettre à l'eau. Il n'y en aura pas de problème. Il y a des poumons vestigiels. Donc, il est capable de respirer à l'extérieur de l'eau. Il n'y a vraiment pas besoin d'une grande quantité d'oxygène dilué dans l'eau. Mais bon, là, là, je vous parle des espèces, mais on était censé de parler des trucs et des conseils pour améliorer justement et avoir vraiment du plaisir à pêcher. Euh, il me reste une dernière petite chose, je m'excuse, mais euh, une, ben, il faut bien faire la promotion aussi euh, des services de nos, de nos médias sociaux. Je ne sais pas si vous êtes sur un cellulaire, si vous êtes sur votre ordinateur, si vous êtes sur votre TV, parce que euh, vous pouvez aussi nous écouter sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Donc, euh, les deux pieds sur le pouf, bien tranquille, euh, la meilleure qualité vidéo, bien sûr, mais peu importe. Euh, L'outil que l'on utilise le plus pour faire la promotion puis vous, inf vous tenir informé de nos, euh, de nos activités, ben, c'est notre page Facebook. Donc, ça peut ressembler à peu près à ça si vous êtes sur Facebook. Vous avez juste en haut, euh, à droite, oui, à droite, la cloche ou le dossier avec des crochets. La cloche va vous permettre d'avoir les alertes lorsqu'il y aura des lives. Euh, le dossier avec les crochets, vous vous abonnez automatiquement à la page Facebook de Spirit. Et puis, bon, selon le, depuis le temps que vous êtes avec nous, euh, il vous est peut-être apparu à un certain moment donné l'occasion de vous abonner aussi avec soin encore sous l'écran si vous êtes sur votre cellulaire ou dans le coin justement à gauche si vous êtes sur votre ordinateur. Yes, bonsoir Maureen, content que tu sois avec nous ce soir. Euh, Qu'est-ce que tu nous dis? Deux petites secondes. Euh, bonsoir Vincent, tu as sûrement été chanceux qui a attrapé aussi de la barbue. Être franc avec toi, Maureen. J'ai essayé. Pas de façon excessive. Par contre, j'ai vraiment le goût de c'est juste que je n'ai pas pris le temps dans les meilleurs moments de l'année pour y arriver. Mais oui, un bon. un bon barbu. Euh, oui, à ce temps de l'année, dans les prochaines semaines, si vous avez la chance de pêcher le barbu, tout le monde se demande. Est-ce que ça change? Oui, et c'est le bon temps pour le capturer, en faire de la bisque ou même le fumer, puisque c'est un poisson gras. En fait, euh... Pour avoir eu la chance d'en déguster, pour avoir eu la chance euh, justement aussi euh, de pouvoir y avoir goûté, fumé. si vous avez un fumoir. Oh, c'est délicieux. Pour avoir connu euh, quelqu'un qui possédait une poissonnerie sur l'île d'Orléans, je vais vous dire une chose. Euh, le barbu de rivière, là, ben, le barbu de court, finalement, quand il y en avait du barbu fumé, c'était la première chose qui sortait immédiatement de son comptoir pour ses habitués. C'est-à-dire que exit l'esturgeon, exit la truite, exit le saumon. Non, ce qui sortait en premier quand il y en avait dans son étalage, c'est le barbu fumé. Donc, euh, euh, content, oui, que tu aimes mon fond d'écran. Ce même pas celui-là que je voulais mettre, mais il y a eu une petite erreur. Ici, c'est euh, l'une des chutes de la rivière Rimouski. Donc, une magnifique rivière à saumon du Bas-Saint-Laurent. Donc donc, 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 par où commencer? Par où commencer? Hum? Je vous dirais, parmi les trucs, parmi les sujets que je vous conseillerais finalement, là, quand on arrive sur le bord de l'eau, c'est de prendre le temps de respirer. Oui, oui, on a hâte de capturer du poisson. Oui, on est énervé parce que je ne sais pas, ça fait combien de temps, vous? Vous n'êtes pas sorti pour aller pêcher. Euh, moi, j'ai déjà manqué la première semaine. Mais ça fait partie de la vie. Je devrais réussir à y aller d'ici la semaine prochaine. Et on a toujours hâte de faire notre première capture. Mais le meilleur moyen pour se donner une chance, c'est de s'arrêter à une coupole de pieds du plan d'eau. Prendre le temps de regarder. Le temps de regarder des Est-ce que vous voyez des insectes qui volent sur le bord du plan d'eau, au-dessus du plan d'eau? Si vous n'en voyez pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'éclosion il n'y a pas longtemps, non? Fait que Ce que vous pouvez faire, prenez donc le temps de brasser les branches ou les hautes herbes autour. Il y a peut-être des insectes qui vont s'envoler. Prenez le temps de les observer. Quelle couleur? Quelle grosseur? Quelle catégorie? Euh... Catégorie, ouais, je vais vous préparer un petit partage d'écran dans quelques instants, juste pour vous montrer justement les grandes familles euh, d'insectes. Donc, euh, donc, 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 donc. Euh, mais pendant que je cherche ça sur, you, euh, sur Google, je vais continuer quand même à vous donner là un peu ma liste de ce que je fais quand j'arrive sur mon spot finalement. Euh, hey, on vient de parler des insectes. On vient de parler de brasser les, les branches, mais la première chose avant de vous approcher de l'eau pour brasser les herbes et les branches, observez ce qui se passe dans l'eau. Hein? Parce que euh, ça va vous indiquer s'il si, euh, si, euh, y a de l'activité présentement, là, si on est vraiment en période de, euh, de nutrition intense ou pas. S'il y a de l'activité, on se presse peut-être un petit peu plus, mais encore, si vous vous pressez trop, là, ça dépend de la taille de votre plan d'eau, ça dépend à quel endroit vous embarquez dans l'eau. Parce que quoi? Euh, si c'est un petit ruisseau, si c'est un petit plan d'eau, puis euh, si vous êtes dans un endroit où ce que le courant est plus calme. Je tiens juste à vous rappeler, hein, euh, on est. En tout cas, moi, en tout cas, de mon côté, je vais parler pour moi. Je ne suis pas un, po un poids plume. Ben, si je me précipite sur le bord de l'eau, ben, les vibrations ne mes pas dans un secteur où euh, l'eau le courant est relativement calme. C'est suffisant pour que le spot tombe à off au moins un 5 à 10 minutes. Approchez-vous donc tranquillement. Euh, ça va vous permettre de garder l'activité. Une autre affaire, on est en train de regarder l'activité sur l'eau. Une bonne paire de, euh, de lunettes, euh, c'est parce que je cherche mon mot, polarisées. Et là, les petites lunettes là, qui nous permettent de se débarrasser des reflets, euh, ben, ça va être utile parce que euh, c'est une autre chose à pratiquer finalement pour augmenter justement euh, l'efficacité de nos pêches, c'est-à-dire d'apprendre. À voir le poisson dans l'eau. À la limite, là, des fois, à l'occasion, pourquoi pas même se donner le défi de pêcher uniquement le poisson à vue. Puis pas besoin d'être en Gaspésie pour faire de la pêche à vue. Bon, il y a des rivières un peu plus profondes parce que ça devient un peu plus difficile avec le côté rouillé. Mais tout de même, euh si vous êtes comme moi début de saison, ce n'est pas les grandes rivières qu'on va courir. Là. Les poissons, les truites, parce qu'il y, y a juste la truite euh, dans les poissons sportifs les plus courus qui sont ouverts, mais les muni sont en période de frais présentement. Fait que si vous trouvez des secteurs où le meunier est actif, il n'y en aura pas juste un. Il euh, faut le pêcher un peu plus comme la cape. Euh, ça a été plus une loque en capture de meunier. La cape, par contre, celle-là, je l'ai attrapé là, vraiment en la visant. Mais euh, c'est la même approche que pour la carte. Il faut avoir un visuel autant sur le poisson, principalement, et sur notre mouche pour quand il décide de mordre. Euh, mais là, je m'éloigne du sujet sur lequel j'étais principalement. Je parlais de la pêche à vue, effectivement. Je m'éloigne, ce n'est pas tant de speed. Mais, exemple, si vous cherchez la truite, là, peu importe pour le poisson que vous cherchez, si vous êtes capable d'être suffisamment en hauteur, ça va vous donner un coup de main. Cherchez pas d'abord le poisson, cherchez son ombre. Cherchez des ombres qui bougent, qui vous donnent l'impression de bouger plus que ce que le courant de la rivière ou du plan d'eau où vous êtes euh, pourrait induire tout simplement par sa réflexion ou la déformation de la lumière. Et hey, puis je ne vous gêne pas, là, hein? moi je, me, je, je vous donne plein d'idées, plein de trucs, plein de, de petits éléments concrets. Là. Mais euh, j'en arrive pas pour nous, pour compléter, pour nous donner aussi vos trucs, pour vous nous donner aussi, là, euh, ce que vous, c'est quoi, je pourrais dire, vos, euh, votre mantra quand vous arrivez sur le bord de l'eau, c'est quoi, euh, c'est quoi vous, votre game changer quand vous êtes en train de pêcher. Donc, oui, euh, oui, ouais, ouais, ok, ça c'est beau. Et euh, on a déjà quelques petits... Euh, Quelques petits mots. Donc, je vous invite. Oui, ben c'est ça, la taille des cours d'eau. Les petits ruisseaux, ou les petites rivières, mais bon. Les Français parleraient de rivière quand on tombe déjà à 10 mètres de large et un peu moins. Mais euh, vraiment, vos ruisseaux, en début de saison, ça va être là que les poils, les truites vont être en train, là, parce que c'est là que c'est les, les endroits où ça va se réchauffer le plus rapidement. Mais encore, là, on est en avance sur la saison, mais une saison où. Euh, la fraîcheur serait arrivée, euh, le, le, il fera encore frais, il nous restera encore beaucoup de neige. Bien, euh, c'est vraiment important de, je vous dirais, d'arriver tôt le matin, même s'il fait frais durant la nuit, même si on était sous zéro durant la nuit, l'eau qui va être entre parenthèses à température la plus stable va être celle des premières heures, parce que l'eau de fonte... Vont venir faire baisser encore plus la température. Donc, oui, Alain, merci. Euh, effectivement, c'est toujours bon de prendre la température. On parle de la truite. Sa température préférentielle, donc sa température où elle sera la plus active, se situe entre 6 degrés et 15 ou 16. Bon, c'est certain que ça va, ça va changer d'une espèce à l'autre un peu, mais en gros, c'est ça. La même chose pour le saumon, en fait. Euh, donc, c'est certain que ça va influencer la présentation, puis le choix de la présentation que vous allez avoir à faire parce que plus l'eau va être froide, bien en fait, plus il va falloir avoir une présentation lente. Puis moins aussi le poisson, moins aussi la truite ici principalement, euh, va avoir tendance à se déplacer pour aller cueillir votre offrande. Elle est léthargique si l'eau est sous. 6 degrés Celsius. On n'oublie pas, hein, C'est des animaux à sang froid. Donc, euh, leur comportement va être optimal. Probable. À partir de 6 degrés, ils vont déjà être beaucoup plus actifs, mais on peut-tu le dire? Probablement que le, la, la température optimale va davantage se situer entre 8 et 14-16 degrés. Au-delà du 16 degrés Celsius, c'est un peu nous quand on fait face à un 30 degrés, puis que l'humidex commence en plus à entrer. Si je vous mets 30 degrés, 35 degrés sec, bon, il y en a qui vont peut-être trouver ça lourd quand même. Si je vous rajoute de l'humidité, vous ne pas à run. Puis si je vous demande en plus d'aller faire un, euh, un, un marathon, euh, ça risque d'être assez difficile. Donc, euh, c'est les éléments en lien avec la température. Donc, avant de continuer, je vais juste aller voir, parce que là, vous êtes vraiment plusieurs à avoir nommé différentes choses, puis j'aimerais vraiment vous donner euh, l'espace qui vous convient aussi, parce que c'est vous qui m'aidez, puis qui faites l'émission. Me faire changer de trajectoire une fois de temps en temps, ou euh, même euh, changer complètement le fil, pourquoi pas. Donc, je me sens des fois un peu plus sécur quand j'ai un, un invité, ça c'est bien plus le fun à jongler, mais... Euh, je vais prendre deux petites secondes aussi pour saluer Sébastien Gas qui, qui dit, félicitations pour ton beau travail et bonne saison. Bonne saison à toi et bonne saison à tout le monde. Merci beaucoup Sébastien pour les félicitations. Euh, Sylvain Paradis qui nous dit, j'entends souvent dire de prendre la température de l'eau. As-tu l'habitude de prendre la température d'une rivière lorsque tu arrives à ton plan d'eau? Chauffes-tu ma face ou je vous dis la vérité? <laughs> je pense que je viens déjà de me vendre juste avec ça. Vous le savez, je suis toujours transparent. Euh, J'ai déjà eu effectivement un thermomètre, mais on l'a pété il y a deux ans. Est-ce que je prenais la température à chaque fois? Non. Est-ce que ça peut être utile de la prendre régulièrement? Oui, parce que ça va quand même, avec le temps, vous allez prendre l'habitude, puis vous allez observer les différences justement que ça va amener de façon encore plus précise sur euh, le comportement du poisson. Je vais vous dire, au bout de la ligne, là, euh, une mauvaise journée de pêche sur le bord de l'eau en nature, c'est toujours mieux qu'une bonne journée au travail. Fait que, oui, la température de l'eau va vous indiquer un peu, justement, qu'est-ce que ça peut vous indiquer. Le niveau d'activité que pourrait avoir le poisson, parce qu'il n'y aura, hein, aura pas juste la température, mais la température va avoir un gros impact, effectivement. Euh. La température va aussi vous donner une idée, avec le temps, peut-être des éclosions que vous pouvez anticiper aussi au niveau des insectes. Parce que c'est quoi qui régit l'univers des insectes dans l'eau? C'est aussi la température de l'eau et les changements de température. Vous allez observer avec le temps. C'est rarement au beau fixe qu'on a les plus grosses éclosions. C'est quand il y a un changement dans la température. Quand il y a un changement dans la luminosité. Une bonne journée de pêche, souvent moi, avec une bonne éclosion, souvent ce que j'ai observé, c'est une journée où euh, le soleil joue à cache-cache avec les nuages, euh, où on a une température quand même là, relativement douce, à la limite des fois même un peu fraîche, mais que quand le soleil se pointe, il y a vraiment un, une sensation brusque de changement de température. C'est souvent là que j'ai moi observé des... Euh, des plus grosses éclosions, ont vraiment une activité au niveau des insectes. Ce qui dit une activité au niveau des insectes, un peu plus d'activité aussi au niveau du poisson. Euh... Merci Yves pour le conseil. Effectivement, les petits ruisseaux, c'est pas évident pour l'espace restreint. Ben, c'est pas un conseil, mais... Non, c'est pas évident pour l'espace restreint, mais c'est là que l'aspect pratiquer s'est lancé. Euh, de manier, justement, euh, le lancer roulé. D'apprendre aussi à pêcher en amont. C'est-à-dire d'apprendre à être. Mais là, on va plus le faire en sèche qu'en euh, noyer, bien sûr. Non? Mais si vous le faites en noyer, vous pouvez le faire à ce moment-là avec un indicateur de touche. C'est-à-dire de pêcher vraiment en amont, donc contre le courant. Euh, souvent, vous allez avoir plus d'espace pour avoir votre backcast. Vous allez être capable de le faire aussi. Et à ce moment-là, je vous dis, il va falloir toujours que vous remontiez la rivière plutôt que de la descendre. L'avantage de remonter une rivière plutôt que de la descendre, c'est que. Ben, Dites-vous une chose. Le poisson il se tient tout le temps le nez dans le courant, donc il regarde en avant. Oui, ça a une vision euh, avant-arrière assez importante, mais il est quand même plus porté à regarder en avant qu'en arrière. La, la, la vision est un petit peu plus en avant qu'en arrière. Il faudrait que je vous trouve aussi une image dans ce sens-là. Mais à ce moment-là, euh, ça va vous donner une chance. Euh, je ne le manie pas encore euh, parfaitement, mais il y a le beau NRO aussi. Comme technique de lancer qui peut être très utile, c'est-à-dire que là, faut apprendre à tenir sa mouche, vraiment pincer l'hameçon entre ses doigts. Vous laissez juste suffisamment de fil et de soie de sortie pour être capable de bien armer votre canne, vraiment en la faisant bander, juste à tirer la mouche le plus loin possible. Essayez de pas mettre la tête, par contre, dans la trajectoire de la mouche. Vous allez attraper un gros poisson qui porte votre nom. Euh... On voit souvent aussi du monde qui la ramène un peu plus au niveau du visage. Mais encore là, faites attention pour mettre le nez dans... Si vous appelez Cyrano de Bergerac, on fait attention pour ne pas mettre le nez dans la trajectoire. Et vous ne ferez pas des lancers euh, à 50-100 pieds. Là. On va s'entendre. Même moi, je ne le manie pas parfaitement. Mais ça peut être une façon, justement. Et bien sûr, on ne pêche pas un petit ruisseau avec une canne de 9 pieds, 10 pieds. amenez pas votre pit 15 pieds en ruisseau. Il <coughs> y a plusieurs ruisseaux qui ne font même pas ça. On y va plus avec une 6 pieds, 7 pieds, ça va déjà être moins de troubles. Euh... Quels sont... Okay. Jérôme Bourdon, quelles sont les techniques pour pêcher l'achigan à petite bouche dans une rivière avec un courant et 2 à 3 pieds d'eau? Euh... Je te dirais, la première chose, ça m'amène à parler un peu de la sélection des mouches. Euh, on entend beaucoup parler justement, euh, de mouche à brochet, de mouche à truite, de mouche à... de mouche à saumon. Ça, ce serait un autre... Ça serait... Non, je me... De mouche à truite, de mouche à brochet, de mouche à, à, à chigan, de mouche à carpe. Euh, C'est une maudite belle affaire marketing de dire... de parler de ça, là. Mais, moi, je vous dirais, pensez plus en matière de ce qu'il y a de disponible dans le plan d'eau. C'est-à-dire... Euh, on va revenir un peu au début de ce que je disais. Dans les observations à faire, quand vous aurez exploré votre site euh, d'arrivée, prenez aussi dans le temps de tourner, de brasser un peu le fond en, en, en ramassant justement peut-être avec euh, un filet à papillon, les insectes qui vont se pointer, qui vont apparaître, euh, les insectes aquatiques, pour voir ce que vous avez dans votre boîte. Parce que tout, je dis bien tout, 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 je pense que je l'ai dit, tous les poissons sont... D'abord et avant tout, au moment de leur naissance, bien insectivores. Oui, hein, j'ai bien dit le terme insectivore. Donc, tous ont une certaine mémoire, ont certainement en mémoire le fait de s'être nourris sur des larves d'insectes. Euh, sans parler de toute l'histoire, mon premier euh, mentor de pêche à la mouche avait. Monsieur avait 75 ans passé, avait son trophée, savez-vous, son, son brochet de trophée, il l'a attrapé avec quoi? Une émergente, taille 16. Ok, je vous annonce, il ne pêcherait pas le brochet. Mais il a passé ça sur le bord de l'aïeul, comme on dit par nous. Puis bien, il a eu de la chance, ça a eu le ici, sur le bord ici, ça n'a pas passé dans la bouche. Fait que, il a fait un combat de deux heures parce qu'il n'était pas sur du trop, trop gros les vitesses, on va s'entendre, aussi. Et il l'a ramené. Donc, je reviens à la question par rapport, justement, là, euh, au choix des mouches dans deux à trois pieds d'eau. Euh, si tu es dans une fosse au pied d'un rapide, d'utiliser de, euh, des nymphes plombées, euh, de, justement, là, de stonefly, ça peut être une très bonne idée parce qu'ils s'en décrochent régulièrement parce qu'elles vivent dans les rapides. Bien, quel poisson serait assez con pour laisser passer une Stonefly? Voyez, si c'est des mouches là, de un pouce, deux pouces, là, même si ce n'est pas un poisson, rappelle-toi, ils se sont tous nourris sur des insectes. J'ai attrapé un achigant de 15 pouces sur une imitation de fourmis. Donc, euh, oui, bien sûr, hein, euh, dans deux, trois pieds d'eau selon la saison, ben, le popper pourrait être une bonne idée parce qu'il réagit super bien. Euh, ou sinon, bien sûr, avec différents streamers, tu, euh, puis juste à ce moment-là, là, un avançon en nylon ou euh, avec calam et intermédiaire, vraiment pas là, en profondeur. Différents stripping, euh, quand je dis stripping, c'est-à-dire vraiment vitesse de, de, de rappel, genre vite, vite, pause, vite, vite, pause, vite, 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 vite pause. Et un autre conseil, ben on arrive au ferrage. Hey, si vous levez votre canne de 9 pieds pour ferrer, il y a des chances, des fois, que la mouche vienne avec. Plus de chances d'attraper le poisson qui est intéressé. Si vous apprenez à ferrer pendant que vous stripez, c'est-à-dire vous faites un mouvement un peu plus de recul, bien, vous venez de déplacer rapidement, s'il n'avait l'avait pas dans la bouche, votre mouche de quoi 3 pouces, 4 pouces, et là vous venez probablement de vraiment bien l'utiliser, peu importe que ce soit un achigan, que ce soit un tweet que faut que ce soit un prédateur, il y a moins de chances que la carpe euh, saute dessus. Quoique j'ai entendu que dans un des grands lacs, euh, il y a vraiment du guidage qui se fait et il y a tellement mais tellement de euh, c'est parce que je veux dire que je le dirais pas un petit poisson, euh, tellement de gobies maintenant dans ce lac là que les carpes euh, sont même rendues qui courent après des imitations de gobies. Pour se nourrir sur les gobies. OK? Disponibilité. Hein? Qui aurait pensé à la carpe comme d'une prédatrice sanguinaire qui court après un mené? Euh, moi, en tout cas, je n'irais jamais penser, même encore aujourd'hui, si je n'avais pas quelqu'un qui me l'avait dit. C'est pas une histoire. Euh, donc, j'espère que ça t'a donné un petit coup de main. Euh, ben oui, hein, monsieur Robert. Euh, monsieur Laberge, vous me demandez de revenir sur les insectes. Hein, ça serait peut-être une bonne idée, effectivement. J'avais dit que je vous en partagerais. Donc. Oui. Alors, je vais faire un partage d'écran. Ok, il faut que je ferme des. Désolé. On va fermer ça. On va fermer ça. Ah ah Non, non, non. Ok, Lou. Les éphémères, je, vous ben, je vais peut-être l'apprendre à quelques-uns, c'est l'insecte emblématique de la pêche à la mouche. Vous allez avoir des nymphes d'éphémères qui euh, peuvent être fouisseuses. Fouisseuses, ça veut dire qu'ils vont euh, vivre euh, dans des endroits à faible courant. C'est-à-dire qu'ils vivent aussi euh, dans des fonds vaseux, sableneux. Euh, c'est un peu, pour les amateurs de films de série B, ça peut ressembler à un Tu sais, les gros vers qui courent après les humains pour essayer de les bouffer, là. Ben, les autres, ils bouffent des petits insectes. <laughs> Mais les plus grosses, euh, les larves d'Hexagonia, si je ne me trompe pas. Euh, Alain, si tu es encore là, puis tu peux me rattraper. Eh, hey, bon Dieu. Je pense qu'il va falloir que je vous lise un peu plus. Hein? Euh, merci, vous êtes vraiment en feu. Donc, ils euh, peuvent même des fois... Si vous marchez nu pied dessus, vous mordent. Euh, sinon, ben bien sûr, il va y avoir des nymphes un peu plus euh, euh, qui vont manger ou des cramponneuses. On va aller vraiment là. Euh, nymphes. En anglais, on dit Mayfly. Vous en, en voici quelques modèles, OK? Puis c'est assez simple d'identifier lesquels sont fouisseuses, lesquelles sont cramponneuses, lesquelles sont nageuses. Euh, plus ça ressemble à euh, un culturiste qui sort d'un gym après s'être pompé les pipes pendant 24 heures. <laughs> plus, quand je vous dis là, 24 heures, celle-là encore là que je vous pointe, il pourrait y en avoir des encore plus costaudes. À sont faites pour s'accrocher sur les roches, justement, dans les phares rapides. Hein, plus vous allez avoir un corps allongé comme ceci ici, ben plus à ce moment-là, vous allez avoir une nymphe qui va être nageuse. Vous, savez, vous en avez une autre juste ici là qui est nageuse. Regardez comment est-ce qu'elle est trapue, celle-là, encore plus qu'elle ici. Donc, plus c'est trapu, plus c'est costaud, plus c'est agrippant, plus que c'est des nymphes que vous allez trouver dans les rapides ou au pied, euh, en amont des rapides. Ensuite, dans les fouisseuses, est-ce qu'on va en avoir une qui va être visible? Celle-là, on n'est pas loin là, de pouvoir l'imaginer en fouisseuse. Je ne suis pas là soit pour vous faire un cours d'entomologie, de, euh, de, 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 on survole les différents sujets pour essayer de, euh, de vous donner un maximum d'informations. Ensuite, bien, bien sûr, le deuxième type d'insectes que vous allez trouver sur le bord, sur le bord de l'eau, ce sont les caddys. Euh, ça va ressembler à ceci ici, c'est-à-dire un papillon, mais c'est le plus papillon de nuit, donc les ailes rabattues sur, euh, sur le dos. Comment les différencier, ces deux-là, les éphémères versus les caddys dans le vol? Ben c'est assez simple. L'éphémère, ça va vraiment être la mouche qui va avoir tendance à monter et descendre comme dans un ascenseur au-dessus de l'eau, même des fois beaucoup plus en hauteur. Ce que moi j'ai observé, si quelqu'un veut me rattraper, euh, pour les caddis, je les vois plus souvent, moi, à fleur de l'eau, euh, ou aussi, euh, elle, l'éphémère quand elle se pose, elle va vraiment se déposer sur l'eau et se renvoler là, un peu comme un hélicoptère, là, vraiment en, en hauteur. La caddis, elle, va euh, plus souvent. C'est comme ça que je vais faire fonctionner aussi mes CADIS, dribbler sur l'eau, c'est-à-dire soit sauter, sautiller, à la limite même créer un V sur l'eau. Euh, et même pour certaines espèces, elles plongent dans l'eau pour aller pondre leurs œufs. Donc, voici là, là quelques, euh, autant, vous avez ici quelques modèles euh, de CADIS. Euh, là, je vous ai parlé de la Cadisse adulte, mais on voit ici euh, une cadisse euh, à fourreau. Donc, euh, c'est euh, l'espèce à ce moment-là qui se fabrique finalement une coquille avec, euh, avec les matériaux qui, tont, qui lui tombent sur, le, sur la main, ou d'autres vont même se faire à ce moment-là des toiles, des filets. Euh, et euh, 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 la dernière, on a les plécoptères. Je vais vous dire, les plécoptères, ça, c'est le filet mignon des insectes que vous allez trouver sur le bord de l'eau, Regardez la taille de ces insectes. Euh, vous avez ici une nymphe de plécoptères. Il y en a des plus petites aussi. OK, là. Euh, mais dans les plus grosses, là, faire du 3-4 pouces. Faites, quand ça... Oui, Pensez-y pour la taille de vos nymphes pour vous donner une, idée, vous donner une petite idée là, si vous n'êtes pas en mesure d'en récolter pendant que vous êtes en train de pêcher. Plus le courant est fort, ben plus le courant va être en mesure de déloger nos culturistes, euh, nos Hulk, les plus grosses. Donc, c'est qui. C'est le temps de sortir nos grosses nymphes. Puis surtout, ben, ça nous prend des nymphes plus, plus grosses et plombées justement, pour se rendre en profondeur. Mais plus le courant va être lent ou le débit va être moins important, bien, les plus grosses vont avoir plus de facilité à se maintenir dans leur zone de confort, dans leur zone protectrice. Et c'est là qu'on va justement aussi penser à diminuer. Mais il faut, pour le choix d'une mouche, là, si vous voulez faire un match de hatch, donc euh, copier l'éclosion, bien dans l'ordre, il faut penser à la taille, à la forme, euh, à, la, à, à la taille. À la couleur et la forme. Le, euh, il ressemblait précisément, ce pas nécessaire. Taille, donc la grosseur, être à peu près dans les mêmes grosseurs. La couleur, puis après ça, la forme. Fait que ça fait ça le tour pour euh, les insectes. On va revenir ici à l'écran. Good! Euh, je vois, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires, donc je vais euh, profiter du moment pour faire, pour, pour faire du pouce sur euh, vos questions. Donc, euh, Rivière Hunter Québec, j'espère que tu es encore parmi nous. Moi, je regarde les refuges potentiels dans l'eau, comme des troncs d'arbres, euh, comme des structures rocheuses où la truite pourrait s'abriter effectivement. Euh, aussi les cisaillements, c'est-à-dire les cisaillements ça va être les secteurs aussi souvent de nutrition. J'utilise souvent le terme aussi. Euh, c'est là qu'il va y avoir les convoyeurs de nourriture, c'est-à-dire où il y a deux forces de courant qui se rencontrent. Tu sais, souvent quand on voit les V dans la rivière, c'est là qu'on est se concentrer euh, la nourriture sur les bordures à l'extérieur des V ou à l'intérieur euh, à l'extérieur, ouais, à l'intérieur du V donc. Le courant va être souvent moins fort et euh, la truite va attendre là pour attraper euh, la nourriture qui se pointe là justement euh, dans, euh, dans le courant. Euh, Steven Leboeuf, euh, comme dit Sylvain Paradis, prendre la température de l'eau en dit beaucoup sur les premières choses que je fais. Effectivement, c'est drôle, je ne suis pas étonné de ta part, Steven! Ah, Pat Martin, oublie ça, en bas de 11 degrés, il n'y a rien qui mord. Mmh, S'il fallait qu'en bas de 11 degrés, il n'y ait rien qui mord, il n'y aurait personne qui aurait sorti du poisson dans les derniers jours et il y en a qui y sont parvenus. Effectivement, par contre, il faut, comme je l'ai dit, avoir une présentation beaucoup plus lente, beaucoup plus naturelle aussi parce que euh, y, le poisson est moins actif. J'ai un petit spot bien secret quand je ne m'en peux plus en début de saison. C'est un. C'est un ancien lac artificiel sur un terrain vague qui est connecté avec un ruisseau. Il reste quoi, trois quatre pieds d'eau là-dedans, mais c'est connecté avec un ruisseau qui a beaucoup de truites. Et ce lac-là est quasiment au soleil toute la journée. Fait que même, même s'il fait frais, du moment qu'il y a du soleil, l'eau se rafraîchit. Puis souvent, dans mes débuts de saison, même alors qu'il restait de la neige, j'ai réussi à pêcher en sèche sur ce spot. Donc, il faut vraiment chercher les endroits où l'eau peut se réchauffer plus facilement. Tommy Brasseur, brasseur. Petit truc que quand la pression change, ça peut demeurer favorable pour la capture, effectivement, mais ben, ça revient justement quand il y a un changement de euh, température, quand il y a un changement là, au niveau atmosphérique. Donc, si ça se couvre, si ça se découvre, euh, ça veut dire qu'il y a un gros changement sur le plan atmosphérique. Ça, ça l'affecte autant les insectes que ça va affecter les poissons. Donc, là, qui, qui stimule qui après ça pour euh, s'en aller en rivière? Là? Je ne sais pas, mais souvent les deux vont de pair. Danny Bédard, je peux vous dire que lundi matin, c'était froid. Non, fret. Aucune touche, mais bien du fun. L'eau doit être encore trop froide dans, 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 dans mon coin. Ouais, il y a des chances. Rappelle-moi par contre, Danny, tu de quel coin toi? Ah, L'eau doit être encore trop froide dans mon coin, oui, effectivement. Bon. Eh, merci Maureen, qui nous souhaite une bonne saison à tous. Nicolas Taché. Je ne l'ai pas dit comme ça, mais mon Dieu, tu utilises les mots parfaits. Il faut aussi considérer l'apport calorie dépensé par la truite versus l'apport calorie de l'offrande. Je considère que c'est très important dans les conditions d'eau froide et d'eau euh, chaude. Un poisson ne se déplacera pas pour rien. Exact. Je l'ai dit autrement avec mon histoire de brochette tout à l'heure. Euh, c'est là qu'une présentation lente aussi, puis que le poisson va surtout à ce temps-ci de l'année être dans une zone pas mal plus lente aussi pour conserver son énergie. Puis euh, chercher vraiment là. Un différentiel de courant, effectivement, beaucoup plus important qu'un peu plus tard dans la saison. Alain, je suis certain. Un petit, un petit thermomètre électre, électronique est euh, peu encombrant et offre une lecture en surface très rapide. Mmh. aurais tu un lien, Alain, justement pour euh, vers un de ces produits-là? Il me j'en ai déjà vu un, mais je ne me suis jamais arrêté à ça, mais... Si vous avez une marque de... Euh, de, 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 de... De thermomètre électronique à nous proposer. gênez-vous pas, vous pouvez mettre un lien. Je vous le dis, ça se peut que des fois je parle de marque, mais je ne suis sponsorisé par personne. Je ne parle que par mes expériences. Puis si le produit, moi, je l'apprécie, ça ne me dérange pas non plus d'en parler. Rowan de Digui. Bonsoir, je suis débutant et j'aimerais savoir quel type de relief de rivière nous devrions rechercher. Pour une bonne pêche, merci beaucoup. J'espère que euh, on a déjà répondu un peu à ta question depuis le début. Euh, le relief de rivière, les truites effectivement vont aimer les rivières avec euh, un, un, un certain niveau d'enrochement. Ça dépend effectivement de l'espèce que tu vas vouloir. Ici présentement, si on parle de, euh, de la truite, ben actuellement, elle va surtout chercher. à soit les embouchures de cours d'eau où il va y avoir une différence en, au niveau de la température, où ce que les petits cours d'eau vont souvent être plus, euh, plus chauds, entre parenthèses, que euh, euh, les, les courants principaux, donc les, les plans d'eau principaux. Mais euh, moi, je chercherais là effectivement aussi des secteurs plus ensoleillés présentement, plus exposés à la lumière. Donc si on est dans un secteur où ce que l'eau est calme voir s'il y a certains, euh, certains endroits où on pourrait avoir des marmites euh, bien exposées un peu à, à l'extérieur du courant principal, mais ces zones-là vont probablement s'être réchauffées puis peuvent être des endroits à ce moment-là très intéressants. Sinon, ben bien sûr, en dessous aussi des euh, comment dire. Hey, on peut avoir certains cours d'eau ce que ça va être franc ou euh, la rive va... Tranquillement s'enfoncer. Mais on va avoir aussi certains plans d'eau où la rive est même creusée ou mangée de l'intérieur. Puis les poissons vont peut-être à ce moment-là se tenir là parce qu'il n'y aura presque pas de courant aussi. Euh, donc, ça peut être vraiment là. Il faut vraiment rechercher tout ce qui peut ralentir le courant. Puisque ça peut à ce moment-là être des spots d'affût. Donc, des endroits où le poisson dépense un minimum d'énergie, dans... mais qui peut se permettre d'être proche de ce que j'ai appelé tout à l'heure les convoyeurs. Puis il y a une façon aussi d'identifier un convoyeur quand on ne voit pas nécessairement les roches ou euh, les, euh, les turbulences qu'imposent les roches dans une rivière. Regardez le chemin des bulles, de la mousse sur l'eau. C'est là que se situent les, les veines principales où vont se concentrer les insectes et la nourriture qui s'est décrochée du fond. Stéphane jelina euh, à la tweet euh, à la tweet fin mai je n'ai pas eu beaucoup de succès avec une soie calante. Est-ce qu'il est préférable euh, d'avoir une soie flottante avec un bas de ligne calant Ça va vraiment dépendre des secteurs où ce que tu vas aller pêcher. Regarde, euh, ça va nous amène à parler un peu des avançons tout court. Le nylon a une densité beaucoup moins importante que le fluo carbone. Donc, juste des fois, un avançon de fluo carbone va te permettre de descendre progressivement dans une colonne d'eau qui n'est pas très profonde. Si tu pêches en lac, euh, ce n'est pas en profondeur qu'il va falloir aller pêcher. Là. Ça va être dans les secteurs qui vont avoir deux pieds, trois pieds d'eau maximum. C'est les secteurs qui vont se réchauffer le plus rapidement. On n'a pas besoin d'aller bien en profondeur. Si tu veux aller gratter le fond, dans ces secteurs-là, tu risques de tout le temps être empêtré. Euh, dans le bois mort, dans les roches, puis laisser bien trop de mouches. Donc, prends une pause. Vas-y, pas avec du câlin. Euh, tu peux aussi, on peut aussi utiliser à ce moment-là aussi une stratégie qu'en anglais, je n'ai pas la traduction francophone. Upper dropper. C'est quoi que ça mange en hiver? C'est utiliser plus qu'une mouche. C'est-à-dire que euh, vous allez avoir la upper dropper avec un indicateur visuel, c'est-à-dire que vous utilisez une mouche sèche. Vous vous servez à ce moment-là euh, d'indicateur de touche. Et attaché derrière, vous attachez euh, une plus petite mouche. Ça peut être une noyée, non, non lestée. Si vous avez une mouche suffisamment grosse ou vous utilisez euh, une petite bulle, donc euh, vraiment là, un petit flotteur, à ce moment-là, vous pouvez même utiliser une nymphe plombée. Ça vous permet de descendre plus rapidement à la profondeur de la colonne d'eau que vous voulez. Et si on vous êtes en train justement de pêcher en lac, euh, dans deux pieds, trois pieds d'eau, ben, tu sais, euh, vous mettez votre, votre upper de surface, puis vous mettez, mettez pas quatre pieds en arrière de votre mouche, mettez un pied, un pied et demi, pour que la, la, la présentation se descende doucement, laissez-la travailler, euh, animez-la tout doucement en ramenant lentement, si vous êtes ici à ce moment-là, là, en, 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 en sèche, donc en imitation d'une mouche sèche, et euh, en noyé, mais en imitation de nymphe, parce qu'une nymphe ne se déplacera pas nécessairement très, très rapidement, là, si, elle veut, si elle est en train de nager dans une eau fraîche, elle aussi, l'on s'entend. Mais vous pouvez aussi utiliser l'approche Upper Dropper en étant un peu plus euh, actif, mais à ce moment-là, en, euh, en mettant euh, une noyée qui pourrait être à ce moment-là un streamer, ou euh, ben, même deux streamers, un plus gros puis un plus petit. Ou un streamer, puis une petite nymphe en arrière. Enfin, en fait, à ce moment-là, on revient au même principe un peu de la cuillère. La grosse mouche va vraiment peut-être des fois servir plus d'attractive. Puis, on va essayer de davantage faire un, euh, un match de hatch, donc de, 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 de copier l'éclosion possible euh, avec la nymphe qu'on va avoir euh, plugée un peu plus loin derrière. Et puis, moi, un petit conseil que je donne euh, à ce moment-là, pour éviter de tout perdre tout notre gréement euh, quand on se met à monter deux ou trois mouches, ben j'attache ma, ma deuxième, ma troisième mouche que je mets derrière ma première, finalement. Pas mal logique en affaire. ben j'y vais toujours avec euh, un, un, un monofilament d'un niveau plus petit que ce à quoi je suis rattaché à mon leader effect. Si j'ai une casse à avoir, ben, je vais l'avoir. Oui, je, je vais aller sur ce qui va être à perdre. Je n'aurai pas besoin de tout remonter. Je ne me casse pas le, le bessic pour. Ce n'est peut-être pas l'idéal. L'idéal, si vous aviez une mouche à laquelle vous avez euh, dans le cul, excusez-moi l'expression, là, mais en arrière, finalement, déjà un mono finalement un peu plus costaud d'installer en boucle. Ça va être facile d'attacher votre mouche derrière. Et moi, j'attache, je fais un nœud. Euh, je fais tout simplement là, un nœud en guille directement dans la courbure de mon hameçon pour attacher mon nœud. Puis jusque maintenant, je n'ai jamais perdu là, euh, de poisson quand il était attaché à ma, à ma, mouche, euh, ma mouche extrême, là, ma mouche de pointe. Ça la laisse super bien. Donc, c'est une belle façon de faire. Puis bien, comme on parle un petit peu des avançons, euh, je vous dirais, prenez toujours aussi le temps de vérifier régulièrement si vous n'avez pas un nœud dans votre avançon. Parce que, sachez une chose, s'il a une, les nœuds les d'attache, donc qui, qui attachent une pièce de, vo, de, de votre matériel à l'autre, normalement, ça, c'est des nœuds solides. Mais les nœuds qu'on qu va nommer, là, les, qui sont produits par des tailing loops, ben, à ce moment-là, ces nœuds-là, ben, euh, ils fragilisent votre ligne. Façon de parler, là. Dites, si vous, avez un, si vous êtes en train de pêcher avec un 10-leaf avec un test, et qu'il y a un nœud dedans, ben, C'est rendu un 5 lift test. Si ça l'a cassé, ça va casser là. On va continuer à regarder euh, vos réponses ou vos questions. Nicolas Taché, lancer Bow and Arrow est super aussi en petit ruisseau avec peu d'espace. Ça m'a sauvé quelques fois. Bon, OK, on en a parlé tout à l'heure, effectivement. Euh, Maureen, euh, je vais apprendre cette technique de lancer. Euh, de lancer de mouches comme une flèche. <laughs> Utilise un thermomètre. Yes, un chigan. OK. Stéphane Gélina qui nous donnait un peu aussi euh, ses conseils pour la chigan. Euh, WB chartreuse en soie flottante en mort ici. Ça fonctionne très bien. Je vais vous dire euh, mes deux mouches préférées pour la chigan jusqu'à maintenant. Ça a toujours été, bien sûr, la bonne vieille Willy Bogger. Et euh, euh, je ne l'ai pas apporté de main. Euh, la Spirit, qui est euh, une mouche que j'ai montée euh, moi-même. Euh, j'ai fait des ravages avec cette mouche-là. Euh, vous pouvez aller voir sur ma page, sur la page Facebook, dans, album, dans, un, dans un album photo, vous allez avoir les photos là, de la Spirit. C'est vraiment une, une mouche de type spé un peu, euh, mais principalement faite avec différentes plumes de pain euh, Et euh, j'ai attrapé truite, j'ai attrapé doré, j'ai attrapé euh, achigan. L'achigan, effectivement, en début de saison, souvent, là, à l'ouverture, en raffole, j'ai observé, effectivement, qu'elle est pas mal dans les tailles et les couleurs, une fois dans l'eau, de euh, plusieurs petites espèces de, euh, de poissons fourrage. Euh, Nicolas Bois -Rousseau, « Nicolas Bois-Rousseau, quelles sont, selon toi, les nymphes les plus efficaces pour la truite? » euh, On en a parlé un petit peu rapidement. Euh, tout à l'heure, un peu des nymphes, je dirais. Cassez-vous pas le basic. Une pheasant tail. Un bugger. Euh, une nymphe de libellule. Et... Euh, des libellules, vous pouvez aussi en trouver en rivière. J'ai déjà été étonné. Donc, euh, de petit à ce moment, c'est là que de petits finalement, euh, Willy Burger. Parce que oui, ce qui fait que la Willy Burger est une mouche passe-partout, est une mouche d'exploration pour trouver les poissons preneurs, c'est qu'elle limite tout, tout, tout ce qui peut être disponible pour le poisson euh, selon sa taille. Dans les plus petits modèles, elle va imiter les gros insectes aquatiques. Dans des modèles moyens, elle va imiter des sangsues. Et dans les modèles les plus gros, elle va imiter, vous aurez deviné, des poissons. Donc, euh, euh, différents modèles de stonefly. Aussi, ici au Québec, je dirais euh, des stonefly euh, jaunes ou avec euh, le corps orange, ça va être parfait. Steven Leboeuf à la tweet. quand les petits papillons blancs commencent à sortir une il air euh, 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 effectivement la il air Cadiz euh, euh, je l'avais tantôt ça a l'air de quoi déjà okay. je vais vous voir partager mon écran deux petites secondes parce que tant qu'à en avoir parlé on va vous la montrer Air Air Cadiz. Donc, ça, ici, super simple. Et c'est Keller, et je suis d'accord avec toi. Euh, ça fait des ravages. Puis bon, si vous êtes monteur, crinquez une autre que j'aime beaucoup utiliser, la Godard. La Godard Cadiz, euh, c'est pas tuable, ça flotte presque tout le temps. Puis on peut la faire dans différentes tailles aussi. C'est vrai, j'en ai pas parlé tout à l'heure en commençant. Vous êtes encore nombreux à être là. Bah euh, ben oui, j'en ai, ai parlé tout à l'heure pour euh, les prochains euh, ateliers que j'allais annoncer, mais présentement, ça, je devrais réussir à l'annoncer officiellement dès demain. Mais euh, pour ceux qui euh, sont déjà un peu expérimentés à la pêche à la mouche, euh, j'aurai un atelier de perfectionnement à vous proposer en. Ah. Collaboration avec deux partenaires. Ça va être complètement débile sur la rivière Nicolet. Euh, avant que je dise une niaiserie pour ce qui est de la date, laissez-moi un petit instant. Dimanche, le 23 mai prochain, une journée de perfectionnement, une demi-journée euh, avec Cyprien Rafan et euh, Guillaume Jacob. Euh, Cyprien Rafan qui, euh, qui fait partie de l'équipe. Euh, canadienne de pêche à la mouche et qui est euh, un enseignant hors-pair justement de la technique Euro euh, en collaboration, lui, de son côté avec Guillaume Jacob, euh, va offrir une demi-journée de formation justement de, 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 de Et moi, de mon côté, demi pendant l'autre demi-journée, avec euh, un bon collègue à moi, on vous propose euh, du perfectionnement de vos techniques de lancer, c'est-à-dire... On revise les bases parce que juste d'améliorer les techniques de base, vous allez gagner en efficacité, en précision et en distance. On révise vos bases pour euh, évaluer aussi euh, les correctifs à vous proposer. Et euh, ensuite, bien sûr, on pourra euh, vous proposer des ateliers spécifiques et euh, adaptés aux objectifs que vous souhaiterez là, à ce moment-là atteindre, que ce soit euh, l'acquisition. De la double traction, que euh, ce soit aussi l'utilisation de quelques techniques de pêche euh, de lancers SP, mais avec une canne une main, qui pourrait être très utile. Pour le côté, justement, euh, du perfectionnement, il vous sera demandé de nous faire parvenir une série de vidéos euh, faites avec votre cellulaire. Maintenant, on a toute la possibilité là, de pouvoir euh, enregistrer en ralenti pour la plupart. Donc, de nous envoyer une série de vidéos qu'on pourra prendre le temps d'analyser avant le cours pour pouvoir aussi diviser le groupe. Et euh, à ce moment-là, il y aura un maximum de, euh, quatre, de, de 14 places de disponibles, donc un maximum de deux groupes de 7. Et euh, ce sera un 8 heures de formation, 4 heures en noix-midi, 4 heures en après-midi. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous écrire pour le moment là, en, euh, en privé. Ce sera euh, de 8h30 le dimanche matin jusqu'à euh, 16h. Oui, en après-midi. Donc, euh, l'annonce est faite et elle sera officialisée demain. Alain, qui nous donnait un petit conseil sur les cadis, les cadis ont la particularité d'être très présentes et ce au cours de toute la saison. Effectivement, c'est pour ça justement que la air cadis que euh, la godard sont deux mouches hyper constructives et efficaces. Ah, ok, cool, Danny. Eh hey, mon Dieu, ça fait si longtemps que ça, je t'ai demandé ça. My God. OK. On est rendu là. Ah, merci, Alain, si vous prenez le temps d'aller voir euh, les, euh, un, de ses, un de ses commentaires, justement, il vous a signalé euh, un lien pour aller voir le thermomètre euh, électronique. Sylvain Paradis qui rajoute une autre question. Est-ce qu'il y a une espèce dorée truite, truite brune euh, à pêcher à la mouche davantage après le coucher du soleil? Balle dorée, effectivement, sera une espèce très intéressante à pêcher au coucher du soleil. La truite brune, nos voisins américains euh, aiment beaucoup la pêcher de nuit. Ce serait là qu'effectivement, les plus gros spécimens auraient tendance à sortir. Souvent, la nuit, vous allez avoir aussi, là, si vous faites quelques recherches, vous allez avoir souvent le conseil de pêcher avec une souris. Parce que oui, les truites peuvent manger des souris. Même nos truites à nous, nos truites mouchetées, là, à partir d'une certaine taille, là, ils ne daigneront pas se déplacer pour attraper une aussi belle et grosse proie juteuse. Donc, euh, mais bien sûr, coucher du soleil, le bord rayé, mon Dieu. Mais si vous pêchez de nuit, un conseil, deux conseils, trois conseils, première chose, ayez pris le temps, s'il vous plaît, de pratiquer vos lancers. De pratiquer beaucoup vos lancers. Parce que vous ne pourrez pas vous fier à vos yeux. Il va falloir que vous ayez appris à vous adapter rapidement au changement aussi de direction devant. Parce que se faire rabattre une mouche, ça est, c'est pas le fun. Et surtout, ben, vous risquez de ne pas avoir le réflexe de pêcher avec des lunettes. Hein? De nuit, c'est rare qu'on a des lunettes, à moins que vous ayez besoin de lunettes pour voir, là, euh, vous les aurez pas. j'ai rarement vu du monde se promener avec leurs lunettes de protection en rivière la nuit. Fait que, puis je parlais justement euh, du euh, du bord rayé. Ah on commence à avoir des grosses mouches, puis ben, peu importe, grosses ou petites, des mouches dans les yeux, ça vous tente pas. Des mouches partout sur le corps, ça vous tente pas. Ça va vous arriver un jour. Puis le gros conseil, mais là, ce n'est pas un conseil qui va vous donner plus de chance pour vos captures. C'est plus un conseil qui va à éviter certaines blessures. En tout cas, amoindrir l'importance de certaines blessures. Ou amoindrir le bris de matériel, c'est-à-dire si vous avez punché dans vos manteaux, dans vos chandails ou dans vos bottes. Écrasez donc vos ardillons. Ça va faire moins mal si vous vous le sortez de en chair. Ça va moins scraper votre linge si vous le sortez de dans votre linge. Vous pêchez de nuit, les yeux fermés, prenez donc le temps de regarder aussi une fois de temps en temps si vous avez en sensation là, des nœuds qui se sont installés dans vos avançons. Ça va probablement vous sauver la vie. Ou du moins, hey, le saumon, on peut pêcher jusqu'à une heure après le coucher du soleil. Le dernier saumon que j'ai attrapé, je l'ai attrapé à 15 minutes de la, de la fermeture de la saison. Fait Il faisait bien noir. J'avais pris le temps de vérifier si j'avais dénué dans mon avançon. J'en avais un. J'étais sur du 15 livres test. Fait que j'étais rendu avec du 7.5. Ça a mordu. Le poisson il faisait 1m15. 7.5 livres test, 1m15 m. Au pied d'un rapide, mais avec un rapide vraiment pas loin derrière. Tu les fesses serrées en vierge. Dieu merci, l'eau était à 4 degrés Celsius. Madame était un peu plus amorphe. On a réussi à la ramener jusqu'au filet. Mais euh, disons que j'aurais pas fait le combat de la même façon, avoir pensé à euh, ne pas avoir su que j'avais eu un... Euh, un nœud dedans. J'ai praillé, mais j'ai essayé de ne pas trop prailler pour ne pas risquer une casse. Nicolas Taché, à nouveau, en début et milieu de saison. J'aime chercher les affluents qui alimentent les rivières, petits ruisseaux. J'ai remarqué avec le temps que l'eau des ruisseaux se réchauffe plus rapidement et qu'en milieu de saison, il apporte de l'eau plus fraîche. Les truites, selon mon expérience, s'y trouvent facilement. Exact. Là, j'ai pas ma photo habituelle en arrière de moi. D'habitude, d'habitude, d'habitude. Est-ce euh, que j'ai un autre euh, slide de préparer? Euh, d'habitude. C'est mon petit ruisseau préféré que j'ai en arrière-plan. Et effectivement, l'eau est hyper fraîche à l'année. Plus chaude. Plus chaude en début de saison. Plus fraîche euh, justement là. l'été. Euh, cherchez finalement des petits plans d'eau sous couvert forestier, vous allez avoir du fun. Ce ne sera peut-être pas les plus grosses, les plus gros poissons en ville, mais sérieux, là. sais pas. Euh, vous allez apprécier. Euh, gang, je ne l'ai pas encore dit une seule fois, mais euh, une bonne façon de supporter Spirit lors des lives, c'est de taguer des amis euh, que vous pensez qu'ils pourraient aimer, que ce soit en rediffusion ou en live. Là, il est un peu tard, on achève. Il faut que je m'améliore là-dessus. Deuxièmement, de partager. Vous avez aimé, vous aimeriez que certains de vos amis puissent en prendre connaissance. Vous voulez le faire connaître à un maximum de monde, le partager. L'algorithme de Facebook, il en raffole. Est-ce que, que l'algorithme raffole? Ben, je n'ai pas le choix. Il faut que j'en raffole moi aussi. Euh, et puis, troisième. Gênez-vous pas pour abuser des émoticons. Euh, ce que je suis en train de faire avec vous ce soir, c'est comme si j'étais en train de faire une conférence en live avec vous. C'est un peu l'équivalent d'applaudissements. Donc, vous pouvez abuser. Puis, quand vous abusez, vous dites à Facebook Hey, c'est parce que ce qui se passe là, là c'est vraiment super intéressant. Je vais le présenter à d'autres personnes qui pourraient aimer ça. Donc, c'est une façon de m'aider et d'être généreux avec moi, alors que moi, de mon côté, j'essaie d'être le plus généreux possible avec mes conseils, avec les connaissances acquises. Et donné par plusieurs personnes que j'ai rencontrées au cours de tout mon périple dans la pêche à la mouche. Maureen, je suis toujours, toujours embêté pour attacher une midge 16 ou 18. Mon bodling pipet est toujours trop gros pour le yé de l'hameçon de cette grosseur. Qu'est-ce que tu utilises? C'est certain que plus vous pêchez petit, plus il faut une pointe petite aussi. Là, Maureen, tu m'amènes de parler d'un autre de mes petits défauts. Ben oui, j'en ai. Je suis sérieusement lâche pour ce qui est des avançons. Fait que j'en achète normalement des déjà faits, en queue de donc, c'est certain que euh, s'il faut que je pêche en, en tout petit, je vais avoir deux choses. Soit je vais avoir un avançon un petit peu trop gros, parce que c'est là où j'en ai la plus grosse catégorie. C'est souvent des avançons de 8 à 10 pieds euh, auxquels je vais rajouter un tipet plus faible que l'avançon pour pas que mon avançon casse. Et surtout pour pas que je sois toujours en train de couper dans l'avançon, parce que ça coûte quand même entre 10 et 20$ ces petits bijoux-là. Donc... Euh, je mets un tipet, c'est le tipet finalement que je vais adapter à la grosseur, puis des fois de l'allonger un peu plus s'il est un peu plus petit pour quand même là, hein, que ça soit un peu plus proportionnel. Ce n'est pas parfait, ça donne un coup de main. Donc c'est là, c'est le tipet là, que je vais ajuster, puis rapetisser s'il faut que je me mette à pêcher en plus petit. Puis justement, tu ça, c'est un conseil en lien aussi avec l'éthique de la pêche à la mouche. Je vais à peu près toujours commencer ma sortie de pêche avec, euh, je vais dire, là, euh, un matos. Moyen. Hey, je ne vais jamais commencer une pêche en pêche fine euh, pour m'assurer que j'écoute le combat le plus court possible. Après ça, si je veux viser des captures et que c'est difficile, ben oui, il va falloir que je pense à, à rapetisser la taille de mes mouches, à rapetisser aussi la taille de la finale de mon avançon pour me donner une chance que ce soit pas vu. Donc, euh, euh, ce serait mon conseil rapidos là-dessus. Puis si vous voulez vous monter vos avançons, ben là, malheureusement, comme vous avez affaire à un golache, j'en connais pas beaucoup de recettes. Je m'en montre des à peu près. Il faut toujours penser à ce que ce soit dégressif. Euh, je lisais qu'il faut à peu près que la partie que vous attachez à la soie soit environ 70 plus petite que votre soie. Puis après ça, vous soyez en dégressif. Donc vous ayez au moins que vous le composiez au moins de 3 à 5 à 6 même des fois, euh, grosseur en rapetissant. Les longueurs, surtout en sèche, ça va avoir un impact. C'est-à-dire que si vous avez affaire à un poisson qui est plus peureux, ben, il va peut-être falloir que vous allongiez. Euh, jusque dans les plus longs qu'on va voir et qui va être recommandé, ça va être deux fois la longueur de votre canne. Si vous avez une canne de 9 pieds, ben oui, vous êtes rendu à 18 pieds d'avancement. Ça se peut que ce soit difficile à flipper. Qu'est-ce que je veux dire ça ce soit difficile à flipper? C'est que quand votre boucle se, dif... se défait, ben que la mouche tombe vraiment au bout. Et non pas que toutes ces fois, sans que la mouche aille vraiment là, se soit rendue au bout, donc ce soit déroulé complètement. Ah, je vais essayer de vous montrer ce que je veux dire par flipper. Laissez-moi deux secondes. J'avais préparé un petit PowerPoint auquel je, auquel je ne je me suis pas rattaché spécifiquement. Mais. Hey, quand je vous parle de la boucle, là, vous avez trois exemples. Vous avez euh, un Telling Loop en bas, donc une erreur de lancer. Vous avez une boucle euh, de lancer euh, moins. Une boucle large. Euh, puis une, une boucle vraiment là, de, de distance, on peut dire. Là. Euh, vous voyez que ça fait vraiment un U. Bien, quand on parle d'un lancé complété, ça veut dire que le U va s'être défait au complet. Il va s'être. Je vais revenir à un écran plus large. Là. On a un U. Si je coupe mon U en deux, il va s'être ouvert pour faire juste une belle ligne plate. Et la mouche va être tombée en avant. Donc, plus votre mouche est petite, il va falloir que votre avançon soit petit, mais plus votre mouche est grosse, plus il va falloir ratisser aussi à un moment donné l'avançon. Peut-être pas dépasser à ce moment-là un 7 pieds, 8 pieds. Si vous pêchez euh, le gros. C'est-à-dire, si vous pêchez le doré, si vous visez, euh, si vous pêchez avec des grosses mouches pour la chigan, si vous pêchez, euh, bien sûr, quand je parle du gros, hein, on parle ici-là, euh, du brochet et du masquinongé. Si vous avez euh, une mouche. Euh, dans le, jargon, dans le jargon des, des, des pêcheurs de masquilles et de brochets, là, on parle de pêcher des fois avec un chat mort. Non, 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 j'encourage n'encourage pas personne à aller voler le chat de son voisin, même s'il tombe ses nerfs pour aller pêcher avec. Là. Non, c'est une mouche géante. Et quand je vous parle d'une mouche géante, on peut parler d'une mouche de 15 pouces. Parce que 15 pouces mouillé, ça commence à avoir du poids. Donc, deux choses à prendre en compte. La longueur, plus votre mouche est grosse et lourde, plus il faut avoir rapetissé ou à un moment donné, si on ne veut pas trop rapetisser, il ben, faut compenser en grossissant. C'est-à-dire, bien, OK, euh, finir, avoir un, un dégressif, mais un 15 livres test, un 20 livres test. Pourquoi pas même un 30 livres test? Si vous pêchez de brocher de masquinonger, finir avec une pointe là, de fluo carbone, ça peut être une bonne idée si vous ne voulez pas mettre de l'acier. Je pourrais probablement continuer encore longtemps. J'aimerais aller passer un peu quelques minutes aussi. Avec ma douche, j'espère que euh, le live vous a plu. Euh, Stanislas Barrier, merci Vincent, je suis un bon ami de Guillaume. Okay. Oui, de Guillaume, parfait, euh, super. Ici, j'ai le guide qui va nous accompagner pour l'atelier sur justement la euh, rivière. Je pense que je commence à être fatigué un peu. Nicolet. Ah, OK, on avait Robert Laberge qui posait des questions par rapport euh, euh, au thermomètre électronique si ça prenait juste en surface. Peut-être que plus tard, euh, Alain aurait répondu. Mais le doré fait. Puis bon, euh, Alain parlait que le doré pour la nuit, vu qu'il est lucifuge. Mais en rivière, même s'il est lucifuge, les fosses ne sont pas très très profondes. Fait que le pêcher de jour, ça peut se faire aussi. Marc Prince, trop vrai, j'ai fait l'expérience. Euh, ça mouche sa queue. Cool. Sa gueule, pas cool. Oui. Ma femme aussi l'a fait, moi ça m'est pas encore arrivé. Hein, Steven, euh, moi le soir, les lunettes jaunes. Oui, effectivement, les lunettes jaunes peuvent être une, une, deux, à la limite de même la lumière. Les lunettes jaunes ont dit qu'elles amplifient un petit peu la luminosité. Hein, Yves Barry qui a tripé comme une bite, Rock on. Benoît Vizinum, mais je suis content que ça t'aille plus encore. Et on se voit la semaine prochaine. Et en fait, oui, la semaine prochaine, la fin achève, la fin voilà, la fin HF parce que ça termine, hein, bien sûr. La semaine prochaine, je reçois euh, Philippe Nouri, Nouri euh, un homme qui, qui a travaillé beaucoup dans l'aménagement aléotique, justement un technicien qui euh, va venir nous parler de la rivière. Good, un projet d'aménagement qui s'est étalé sur une dizaine d'années. Il va nous parler de, de, du projet d'aménagement et il va nous donner les conseils pour bien pêcher cette rivière-là. Donc, c'est pas trop, trop loin de Québec, c'est à moins de 45 minutes de Québec. Donc, soyez au rendez-vous. On va à nouveau parler de pêche la semaine prochaine. Monsieur Laberge qui me dit merci, c'est cool. Je pêche souvent à la traîne en lac. Vas-tu en parler à d'autres fois? Euh, je vais essayer. Je suis... Moi, je ne suis pas le plus grand pêcheur à la traîne, malheureusement. Donc, il va falloir que je me trouve effectivement euh, un invité qui, lui, la pratique davantage que moi. Euh, Peut-être qu'Alain pourrait nous donner un coup de main s'il si, euh, accepte, parce que c'est une véritable encyclopédie. Mais je vais vérifier effectivement. Là. Je ne sais pas si je vais être en mesure de le faire d'ici la fin de la saison actuelle, mais euh, ce ne sera pas long, effectivement. Euh, ça va faire partie des choses que je vais garder en tête. Sébastien, tu m'obliges à parler d'un scoop. J'aimerais une émission spéciale sur le saumon. Sébastien Gasse, attache-toi-tu avec de la broche, t'en auras pas une, t'en auras pas deux. T'en auras même pas trois ou quatre. Si tout se passe bien, je devrais en avoir facilement un bon huit à vous proposer partir de la fin mai. Euh, et pour une partie de la saison justement de pêche au saumon. L'année passée, j'ai fait le Salmo hebdo et il sera de retour à nouveau cette année. Je peux même déjà vous titiller le titillon. J'ai déjà une, une nouvelle rivière qui s'est ajoutée euh, comme collaborateur, la rivière Sainte-Marguerite. Donc, pour le moment, j'ai la rivière Sainte-Marguerite et euh, la rivière à Mars de confirmer. Et j'attends des nouvelles pour une troisième rivière là, qui devrait se confirmer incessamment sous peu. Donc, c'est clair, on va parler du saumon en général. Mais si vous voulez aller pêcher le saumon au Saguenay, vous allez être servi parce que vous allez avoir les conseils. Les, les conseils et les recommandations des personnes qui y travaillent, qui les gèrent et qui les pêchent. Sur ce, gagne. Ce n'est que partie remise. Je vous souhaite une superbe fin de soirée et je vous disonne, rendez-vous la semaine prochaine à 8h à nouveau pour un nouvel épisode de la pêche à mouches en direct avec nul autre que votre humble serviteur. Donc, un pouce, du partage, des likes, de vous abonnez à la page. Gênez-vous pas, vous allez avoir du stock, vous allez apprécier. Et puis, si l'atelier dont je vous ai parlé de perfectionnement sur la rivière, Nicolette, vous intéresse, écrivez-moi et puis, euh, on vous donnera priorité sur les inscriptions. Bye!